Bonjour, voici en quelques minutes l'essentiel à savoir pour pouvoir réaliser une présentation grâce à LibreOffice Impress. Pour démarrer le logiciel, je me rends simplement dans le Dash et je demande le logiciel LibreOffice Impress ou simplement Impress ou même seulement les premières lettres. Et le logiciel est démarré par un double clic comme de coutume. Je vais ensuite sur ce premier écran qui pourrait ne pas apparaître si vous l'avez désactivé. Je vais sur ce premier écran sélectionner un modèle de ma présentation, un modèle pour ma présentation. Alors pour cela, j'ai un choix relativement limité. Si ce choix est trop limité pour vous et si vous ne trouvez pas votre bonheur, faites une petite recherche sur le web sur l'expression modèle LibreOffice Impress et vous en trouverez des dizaines. Alors ici, moi, je vais me contenter de ce modèle-là, par exemple, Alizarine. Et dans ce modèle, je vois qu'il y a déjà deux types de diapositives, de sous-modèles qui sont prévus. Premier sous-modèle qui me servira certainement pour le titre de ma présentation et le deuxième sous-modèle qui me servira pour les diapositives générales. Vous pourriez avoir d'autres sous-modèles, 3, 4, 5 sous-modèles selon ce que le concepteur a prévu. Donc sur la première diapositive qui m'a été fournie d'office, je vais indiquer le titre de ma présentation qui serait par exemple, et ce que l'on fait souvent, c'est ajouter le nom du présentateur, le nom de l'orateur, puisqu'il s'agit d'un orateur ici. Voilà, première diapositive terminée. Ce que je peux faire immédiatement, c'est enregistrer mon travail de manière à être sûr de ne pas le perdre. Et je vais l'appeler, par exemple, Einstein. Voilà. Je peux ensuite passer sur la deuxième diapositive. À nouveau, elle demande un titre et un texte. Voilà, deuxième diapositive terminée. Comment obtenir une diapositive suivante? Deux possibilités. Première possibilité, c'est celle qui va s'imposer ici, c'est de faire une duplication de la diapositive actuelle. Donc je vais dupliquer la diapo. De cette manière, je vais conserver le titre. Je ne vais pas devoir réécrire le titre. Par contre, le texte, je dois pouvoir le supprimer et j'ai ma troisième diapositive que j'enregistre, enfin j'enregistre l'ensemble de la présentation. Voilà qui est fait. Donc je reviens sur ma troisième diapositive. Ici, imaginons que je souhaite mettre un texte et une image à droite, par exemple. Donc, si je suis bien dans l'ensemble, si ce n'est pas sélectionné un élément, je suis bien sur l'ensemble de la diapositive, j'ai à droite dans les propriétés la possibilité de choisir par exemple un modèle comme celui-là avec deux zones dans lesquelles je vais pouvoir écrire. Alors, dans la zone de gauche, je vais par exemple indiquer que je présente maintenant un portrait de Albert Einstein et à droite, je vais insérer une image. Dans les images, j'ai ce qu'il me faut. Voilà. J'ai maintenant trois diapositives. Je pourrais introduire une quatrième diapositive qui serait déjà la diapositive finale, disons. Je fais cette fois-ci une nouvelle diapositive, mais j'aimerais bien qu'elle ait le même modèle que la diapositive numéro 1. Alors, le modèle ici était le modèle Alizarine 0. Je vais reprendre le même modèle Alizarine 0. Voilà. Je n'ai pas besoin des deux zones de texte, donc je vais prendre ce modèle-là et ou celui-ci. Voilà, comme ça je conserve quand même ma zone de titre. Voilà, c'est celui-ci qui convient. Alors, merci pour votre attention. Et ceci est déjà suffisant. J'enregistre une dernière fois ma présentation terminée.
Ceci étant fait, nous pouvons maintenant passer au détail. Le premier détail possible, c'est de soigner un peu les transitions. Alors, pour les transitions, je vais me rendre de nouveau dans le volet latéral. Je vais dans l'onglet Transitions et je vais choisir une transition. Alors, pour les travaux scolaires ou pour les travaux professionnels, il est souvent conseillé de ne prendre que des transitions relativement sobre. Alors ici, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça paraît extrêmement sobre, mais bon, c'est suffisamment sobre quand même pour nous. Et je vais dire, et ça c'est ce que l'on fait généralement, c'est d'appliquer la même transition à toutes les diapositives pour conserver une certaine cohérence. Ensuite, je frappe la touche F5 pour voir la transition appliquée sur la première diapositive, sur la deuxième diapositive, et ainsi de suite. Je peux alors revenir au mode normal d'affichage, et je me propose de vous montrer le dernier point pour cette courte présentation, ce sont les animations. Alors, je vais faire une animation sur la diapositive numéro 3, ou au moins deux animations, vais-je dire. Donc pour cela, je reviens dans le volet latéral, je vais dans les animations. Première animation concernera le texte qui est ici à droite, que j'ai donc maintenant sélectionné. J'ai sélectionné tout le cadre, j'aurais pu aussi sélectionner rien que le texte. Dans le volet latéral, je clique sur le bouton marqué d'un plus, de manière à ajouter l'élément dans les animations existantes. Puis je peux choisir le type d'animation. Alors à nouveau, ici, la sobriété est de mise dans les travaux professionnels ou scolaires. Donc ici, par exemple, ouverture en fondu est très bien. Voici une première animation. Deuxième animation sur la page, je sélectionne l'objet image, le signe plus, et je vais à nouveau, par exemple, prendre l'ouverture en fondu. Vous essayerez d'autres animations éventuellement, mais restez, s'il vous plaît, relativement sobre. Voilà, j'enregistre mon travail et je vais juste regarder ce qui se passe sur cette page. Pour cela, donc, majuscule F5 pour ne voir que cette page-là. Voilà la page, vide. Je fais un clic de souris et le premier texte apparaît. Je fais un autre clic de souris et l'image apparaît. Voilà, avec ça, je pense que nous avons dit l'essentiel pour la constitution, pour la création d'un tout petit diaporama simple. D'autres conseils s'ouvriront éventuellement dans d'autres vidéos. À bientôt.